Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Gym Direct. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Alors, au programme, on va faire un épisode spécial bas du corps. Donc, on va surtout renforcer les cuisses, les adducteurs et les fessiers. Et pour ça, je suis accompagnée d'Élodie, bienvenue. Et de Michel. Voilà. Allez, on est une équipe féminine. C'est parti, on s'échauffe. Ok, écartez un petit peu les pieds, pointe de pied ouverte sur l'extérieur, fléchissez vos genoux. On va inspirer, monter les bras vers le haut, expirer, relâchez jusqu'en bas. Relâchez le haut du corps, plus rapide. Et monte, monte, redescend. Poussez les fessiers vers l'arrière. Poussez dans les tarots longs en serrant les abdominaux. Dès le début. Allez, on fait la même chose en single. En haut, en bas. Voilà, poussez bien les genoux vers l'extérieur. Encore, monte, descend. Super, deux. Un dernier, ouvrez les genoux, mettez les mains sur les genoux. Et là, vous cherchez à les ouvrir. Donc, allez pousser vers le fond de la salle. Faites des petits mouvements de droite à gauche. Et là, on déroule la colonne. On arrondit bien le haut du dos. Et ici, on fait le step-up. Allez, on va à droite et à gauche. Utilisez vos bras. Venez bien toucher le sol avec la pointe de pied à chaque fois. Ok, bras gauche devant. Gauche, droite. Et on descend encore plus. Allez, pour faire chauffer les cuisses. Encore, deux. Et là, vous bloquez les pieds au sol et à droite et à gauche. Super, alors dès le début, vous engagez vos abdominaux. Vous rentrez bien votre nombril à l'intérieur. Allez, encore. Votre dos reste bien droit. Vous avez les fesses qui poussent vers l'arrière. Super, allez, on descend encore un petit cran. Bien, allez, il en reste 8. Allez, filles. Allez, 4 derniers. 4, 3... Deux, revenez au centre, étendez les genoux, repliez. Voilà, petit squat, ne descendez pas trop bas, on est à l'échauffement. Encore, monte, descend. Poussez toujours dans vos talons. À chaque fois que vous montez, encore. Pousse et serrez vos fessiers. Quatre derniers, quatre, trois, deux. Et là, on va descendre et rester en bas. Restez, 8, 7, 6 et tout petit rebond, 4, 3, 2 et repartez au step-up, pause, step. Voilà, donc déjà on a senti les cuisses qui se réchauffaient. On va activer un peu plus les fessiers même s'ils ont déjà travaillé. Et là juste on va lever la pointe de pied. Tournez votre hanche vers l'intérieur. Pointe de pied vers le sol. Allez, encore. Poussez la tête vers le plafond pour vous grandir. Il en reste 8. Activez toujours les abdos en rentrant le ventre. Comme ça, vous sentirez la taille en même temps. On est sur le bas du corps, mais si on peut travailler les abdos aussi, c'est pas mal. 2, 1. Et vous marchez sur place. Marche. Montez les bras, inspirez. Descendez les bras, expirez. Encore une fois, on inspire. On s'étire. Et on expire, on redescend. Yes, l'échauffement est terminé, on attaque la séance. Super. Alors ici, on va se placer pour commencer le squat. Mais vous mettez les pieds largeur de bassin cette fois. Descendez en deux temps, vous poussez les fesses vers l'arrière et vous remontez. On descend, on touche les cuisses avec les coudes. C'est votre repère. Encore. Je descends, mon dos reste droit, c'est juste une flexion dans les hanches. Descends, descends, repousse, repousse. Pourquoi on le fait lentement? Pour que vous puissiez contracter les fessiers à chaque fois que vous montez. Allez-y, on serre, les abdos en même temps. Et on accélère, on exagère, on repousse. Allez, descends, remonte. Allez, on commence à sentir les fessiers qui se réveillent, les cuisses.
plus j'envoie le poids vers l'arrière, plus je vais sentir mes fessiers. Alors allez-y, on y va. Go. Donc les fessiers, pour les renforcer. Pour l'esthétique, bien sûr, mais aussi pour la stabilité du bassin. D'accord? Et trois petits en bas, on y va. 3, 2, 1, repousse dans les talons. 3, 2, 1. Allez, on commence à avoir un peu plus chaud là avec les petits. N'oubliez pas le repère, les coudes qui touchent les cuisses. Et encore, c'est parti. Si vous sentez que vous fatiguez, que vous perdez la posture, c'est-à-dire que vous arrondissez le dos, vous allez réduire l'amplitude, mais en gardant le dos droit. Ok, on reste en bas. Allez, go. 8, 7, soufflez bien. 6, oxygénez votre muscle. Allez, 4, 3, 2. Ok, décollez les talons, restez là-haut. Trouvez votre équilibre. Serrez les fesses. Et on va juste descendre les talons et les reposer. Descends, remonte. Descends, remonte. Inspire, souffle en serrant les fesses. Voilà, juste un travail ici, au niveau des mollets. Inspire. Ça, ça favorise la circulation sanguine pour ceux qui ont des problèmes. Tout petit en haut, on ne repose plus. Allez, tout petit. Gardez une belle posture, pas de dos rond. Hein. Engagez toujours les abdos. On doit même sentir le dessous de la fesse si on contracte bien les fessiers. Yes, ouvrez les pieds. Ouvrez les pieds comme ça. Vous restez, vous êtes en train de marcher. Allez, écartez bien. Voilà, on est en train de marcher tranquille. Pour se placer dans un squat sumo. C'est ça le squat sumo. Du coup, on va renforcer un petit peu plus les fessiers que tout à l'heure. Allez, grandissez-vous. Et ici, on va fléchir uniquement le genou droit et allonger la jambe gauche. Voilà, trouvez votre équilibre comme ça. Donc on est en fente latérale du côté droit. On va essayer de décoller le talon et le reposer, mais sans bouger le bassin, d'accord? Ici, c'est parti, on monte, on descend. Monte, descend, souffle, inspire. Souffle, inspire encore. Ne lâchez pas les abdos et pensez à votre posture. Si je me mets de profil, vous avez vu, le dos est droit, jamais de dos comme ça. Au contraire, j'envoie les fesses vers l'arrière, à fond. Vous sentez la cuisse droite là? Aïe, 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 encore. 3. Ça y est, ça commence à chauffer. Tout petit en haut. Petit, petit, je ne repose plus mon talon. Plus c'est intense, plus je souffle. N'hésitez pas à remonter dans l'amplitude à tout moment. Ça tremble, hein? 2. Stop, vous reposez le pied. Mettez les mains au sol. Alors, vous allez voir, vous basculez le poids du corps sur le pied droit. Si vous ne sentez pas de mettre les mains au sol, vous les mettez sur la cuisse. Le but, monter le pied et le redescendre, comme ça. Et gardez le dos droit. Si vous êtes comme ça avec le dos rond, je préfère que vous mettiez les mains là. Là. Le poids du corps est sur le pied droit. Ouais, c'est pas mal. On garde bien le poids de ce côté-là. Avec le talon posé. Ça va, Elodie? Ouais. On n'hésite pas à mettre les mains sur la cuisse comme Michel, là. Ouais, c'est ça, Michel. Allonge ton dos. Serre les abdos. Il en reste 8. Allez. 7. 6. C'est pas cool, cet exercice, hein. Encore. 4. 3. 2. Dernier. Et stop. Relâchez. On fait des petits talons fesses. Est-ce que ça va, là? La cuisse droite, elle a morflé, hein. Allez, encore. On détend. Voilà, je détends bien. Allez, 8 encore pour détendre, parce qu'après, on va tout faire de l'autre côté. Hein. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Ne vous inquiétez pas, on y va. Allez, 4. 3. 2. 1. Et on fait notre petite marche comme ça. Marche, marche, marche. Pour ouvrir les pieds. Encore, descendez votre bassin. On ne lâche jamais les abdominaux. Stop, on ne bouge plus. Reste. Vous vous souvenez, comme tout à l'heure,
Là, je vais mettre le poids sur la jambe gauche. J'allonge la jambe droite et le dos. Je vais décoller mon talon et le reposer. C'est parti. Décolle, repose, souffle, inspire. Voilà, dès le début, placez votre respiration. Il faut bien garder le poids sur ce pied-là, sinon vous allez glisser. Affinez la taille, là, affinez au maximum. Prochaine étape, les petits, on ne pose plus le talon, on y va, pose plus. Descendez d'un petit cran si vous pouvez. Allez, courage, 8. 7, 6, 4, 3, 2, et on relâche. On met le poids complètement sur la jambe gauche. Là, le pied parallèle. On va monter la jambe droite. On monte, monte, descend, monte, descend. Essayez d'allonger votre dos le plus possible. Cette jambe, elle reste fléchie. Ouais. N'hésitez pas à venir ici. Encore. Je perds mes cache marques. Bon, on met de la bonne volonté, on cache, hein, mais des fois, ça s'en va. Hein. Encore. Appuyez sur les pieds. Aïe, aïe, aïe. Plus que deux. Dernier. Et allons, fesses. Allez, on détend. C'est bien. Là, vous avez bien travaillé, là. Bas du corps. Allez, encore quelques-uns. Après, on va faire des fentes. Vous doutez bien que bas du corps, on passe forcément par des fentes. C'est un mouvement polyarticulaire, on travaille plein de parties du corps en même temps, donc on va pas s'en priver. Allez, stop, vous relâchez, détendez les jambes. Alors, on va mettre le pied gauche devant. Ici. Donc, je veux des fentes, mais avec le poids du corps qui va être en avant. Je vous montre. Déjà, vous pliez vos deux genoux. Je vais de profil. Je veux voir vos deux angles droits dans les genoux. Un là, un là. Ensuite, vous transférez le poids du corps vers l'avant. Mais sans bouger le genou. Hein. C'est juste le haut du corps. C'est ça. Et vous retendez. On garde le poids vers l'avant. Et on repousse dans le talon. Un, deux, et repousse. Encore. Inspire. Expire. Et serrez le fessier à la montée. Pourquoi on transfère le buste vers l'avant? Pour sentir beaucoup plus la jambe avant et la fesse. Ça libère la jambe arrière. Le psoas est moins impliqué, encore. Allez, serrez la fesse. Bien, on sourit, le dis-toi bien, descend et remonte. Tout va bien. C'est un vrai bonheur de souffrir comme ça. Allez, descend, remonte. Allez, il en reste encore 8 comme ça. Regardez dans une petite diagonale. Et gardez toujours ce poids vers l'avant, c'est important. Encore. 2. Prochaine étape, on va ramener le pied. Comme ça. Ramène, reviens. Ramène, reviens. Ramène. Gardez toujours le poids vers l'avant et la jambe. Gauche fléchie. Aïe, 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 la fesse gauche, hein. Il en reste 8. Allez, go. 7. Michel, elle a la banane. Elle adore souffrir. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Détendez comme ça. Restez en mouvement. Allez, on va se faire l'autre côté. Donc là, vous avez senti la fesse. On la sent beaucoup mieux quand on penche le poids vers l'avant. Ça dépend du travail que l'on veut. Allez. Mettez un pied sur chaque ligne. Hein. Fléchissez vos deux genoux. Basculez le poids vers l'avant. C'est ça. On a allongé deux jambes. Et on descend, on remonte. Descend, descend. Repousse, repousse. Inspire. Expire profondément. Genoux bien au-dessus du talon. Serrez la fesse à la montée. Encore. Repousse. Ouais, plus vous allez appuyer dans votre talon et contracter la fesse, plus ce sera efficace. Il faut impliquer vos muscles le plus possible. Accélérez, il y en a 16.
Voilà. Allez, on est bien régulier. N'oubliez pas de pencher le buste. Encore plus, Elodie. Oui, penche. Voilà. Là, c'est mieux. C'est ça. Et Michel essaye de ne jamais remonter le buste pareil. Quand vous retendez, regardez, mon buste, il est toujours penché en avant. Toujours. Voilà. C'est bien, les filles. Allez, on serre les omoplates et on fait le deuxième. Ramène. Ramène. Voilà, pareil, je garde toujours la jambe droite fléchie. Celle du sol, voilà. Allez, il y en a encore 8. Ramène à côté, Michel, le pied. À côté de l'autre. 7. Voilà, le dos droit. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à penser, hein. Encore 4. C'est bien. 3. 2. 1. Et ça, bon, relâche. Allez, détendez. Prenez vos tapis. On passe au sol. On va renforcer vos adducteurs. L'intérieur des jambes. Alors, si vous avez des poids au niveau des chevilles, là, que vous avez à la maison, n'hésitez pas à les mettre. C'est toujours plus efficace avec de la charge, bien sûr. Hein. Tendez la jambe du dessous, vous l'alignez avec le buste. Pied posé au sol. Si on n'arrive pas à le poser, on laisse tomber le genou comme ça. Voilà. Maintenant, on va monter la jambe en gardant le pied flex et la redescendre. On monte comme ça. Et vous avez vu mon buste ? Je me force à me tenir droite. Donc là, j'accélère. Monte, descend. Pas de dos comme ça. Sinon, on a beaucoup moins de travail. Grandissez-vous pour avoir un travail au niveau du dos. Allez, encore des grands. Souffle, inspire. Montez le plus possible. Sentez l'intérieur de la jambe qui travaille. Et en haut, en bas. 3 petits en haut. 3, 2, 1 et on redescend. Si vous contractez le ventre à la montée, vous allez sentir vos obliques là et là. Mais il faut vraiment le serrer. Hein. Allez, encore 4 comme ça. Souffle, souffle. Ouais, c'est pas parce qu'on travaille une partie du corps qu'on délaisse le reste. Au contraire, on va brûler plus de calories. Il y a plus de muscles engagés. Allez, petit, on y va. 8, 7, 6, grandissez-vous. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, ensuite, on va venir s'allonger. Fléchissez la jambe du dessous en angle droit. La jambe du dessus tendue avec le pied tourné vers le sol. Voilà, ici, on va amener la jambe devant, on va toucher le sol et on va revenir légèrement derrière et toucher le sol. D'accord? Comme ça. 1, 2, reviens. 1, 2, derrière. Et on fait ça plus rapide. Et touche, reviens. Touche, reviens. Touche. Voilà. Touche. Touche. Et je fais le fessier. Touche. Allez, un peu plus loin derrière sans bouger le bassin. Un peu plus loin devant. Encore, un peu plus loin devant. Un peu plus loin derrière. Attention, on va rester devant. Et touche, remonte. Touche, remonte. Donc là, je veux que votre jambe, elle soit parallèle à celle du dessous. Donc bien devant. Descends, remonte. Allez, encore. Si c'est trop intense, je plie un petit peu mon genou. Vous n'hésitez pas, il vaut mieux ça plutôt que de s'arrêter. Repousse. Restez en haut. Petit cercle vers l'avant. 8. 7. Courage. 6. Allez. 4. 3. 2. Et vers l'arrière, on y va. 8. 7. Sentez le fessier là qui se réveille. Ouais, il se réveille bien. Hein. Allez, encore 4. 3. Allongez la jambe au maximum. 2. 1. Et vous relâchez. Petit massage. Voilà. Et on va faire tout de l'autre côté. Allez, c'est parti. Le placement. Jambes alignées avec le buste. Le genou qui tombe ou le pied seul. On monte. Monte.
monte, redescend, tout doucement. Poussez dans le coude pour vous grandir. Encore. Souffle et inspire. N'oubliez pas de contracter les abdos à chaque fois que vous montez. Rapide. Allez, pousse. Encore. Souffle. Est-ce que vous sentez votre taille, les filles? Contractez bien les abdos pour la sentir à fond. 8. Et ici, vous sentez quand même. Allez, montez le plus haut possible. 4. 3. 2. 3 petits en haut, on y va. Monte, monte, monte et redescend. Gardez le pied flex pour avoir une contraction au niveau de la jambe. J'en vois qui sont comme ça à la maison. Hein. Grandissez-vous au maximum. Il en reste 4. Après, on fera les petits. 3. Encore. Souffle. Souffle. Il nous reste les 8 petits. Allez, 8 petits. 8. 7. Repoussez d'un coude. Ne lâchez pas les abdos. 4. 3. 2. 1. Et vous relâchez. Allez, les fessiers. On enchaîne. Donc, jambes du dessus bien tendues, jambes du dessous en angle droit. On va toucher devant, toucher derrière, toucher devant, toucher derrière. Allez, go. Bon. Là aussi, je garde mes abdos engagés pour renforcer mes obliques. On va aller chercher à aller un peu plus loin. Devant et derrière et devant. Ouais, on sait ce qui nous attend après. Hein. On va devoir garder la jambe devant. Allez, jambe devant. Ici, on descend et on monte. Descend, remonte. 4. 3. 2. Restez en haut, cercle vers l'avant. Allez, 8. Tournez le pied vers le sol. Là, ça s'intensifie, hein. 4, n'oubliez pas, si je plie la jambe là, c'est moins intense. Donc n'hésitez pas à le faire si vous sentez que vous avez lâché vers l'arrière. C'est la dernière ligne droite, après c'est les étirements. Bon, ils seront pas longs aujourd'hui, j'avoue, j'ai privilégié les exercices. 2, hein. 1 et on relâche. Aïe, aïe, aïe. Allez, relâchez, on va s'étirer. C'est fini. Ah, on a bien travaillé. Ramenez les genoux à la poitrine. Elles ont validé, les filles. Alors, on va mettre la cheville au-dessus de la cuisse gauche et on attrape cette cuisse gauche. Ouvrez bien le genou sur l'extérieur et ramenez la cuisse vers vous. Il faut que ça tire dans la fesse de la jambe fléchie. Inspirez, expirez. Et on change. Allez, juste après un cours de renforcement, les étirements ne sont jamais longs, hein. C'est juste pour que le muscle se remette à sa place. Essayez de ramener la cuisse vers vous. Inspirez, soufflez. Et on relâche, on attrape l'arrière des cuisses. Et on se balance pour s'asseoir. Allongez les jambes devant vous. Allez chercher là où vous pouvez. Donc si c'est les genoux ou les tibias, ça me va. Sinon, on relâche le buste. Lâchez la tête, lâchez les épaules. On relâche le haut du corps. Et on déroule. Ici juste, fléchissez la jambe avant, fléchissez la jambe arrière. Juste un petit étirement des quadris, poussez votre bassin vers l'avant. Bien, on revient et on change. Juste vous mettez les mains derrière, poussez votre bassin vers l'avant.
avec les coups de fléchi. Et on revient. On se place à genoux. Accroupi, on tend les jambes. On replie, on déroule doucement. Placez le bassin, le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Et voilà, notre épisode est terminé pour aujourd'hui. Bravo à tous si vous avez été jusqu'au bout. Si vous n'avez pas tout fait ou si tout simplement vous voulez le refaire, vous allez sur le site ou l'application MyCanal. Ensuite, pour des conseils en nutrition, on va sur le site mangerbouger.fr. Et pour nous rejoindre sur le plateau comme les filles, juste un petit mail, gym@canalplus.com. Voilà, bravo à toutes les deux. Bravo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Super. Merci.